Vous aviez quel âge quand vous vous êtes engagé?15 ans et demi. Et on pouvait s'engager à 15 ans et demi ou vous avez triché sur l'âge? On ne pouvait pas s'engager. Mais comme mon frère était déjà engagé, j'étais avec mon frère, on a accepté. On est resté encore une quinzaine de jours avant de partir. Alors, on a commencé à faire Dourdan, Salmeleu. De là, on est monté sur Vitry-François. On est descendu au camp de Morbihan à Nîmes, où il y avait le camp militaire. On a fait 8 ou 15 jours d'instruction. Après, on a reçu les ordres pour aller la bataille. Mais nous, on n'était pas encore habillés soldats. On était dans le haut de Soissons et on enterrait les morts. Mais je ne me rappelle pas le nombre que j'ai enterré. Mais en dernier lieu, on les enterrait sans caisse. On les mettait dans la terre, comme ça. On attendait. Il y avait des obus qui arrivaient sur la colline, mais c'était plus rare, comme la bataille se faisait à Soissons et qu'il fallait percer. C'était plutôt à Soissons que ça se produisait. Au bout d'un moment, la bataille, il y avait tellement de morts des Allemands et des Français. On les enterrait dans le haut de la colline. Il y avait la route qui allongeait la colline sur un plat, et puis après, elle plongeait sur Soissons. Et on les enterrait là. La première attaque que nous avons faite, c'est en Dargonne. Il y avait les Garibaldiens qui étaient côte à côte avec notre bataillon. Nous, on était à la côte 708, 707, 708. Et eux, c'était un endroit qui s'appelait la Salade. J'ai vu Peppino Garibaldi tomber blessé. Il était tout à côté. Alors, je me suis approché pour y porter secours. Mais immédiatement, il y a eu 4 bonhommes qui sont arrivés, ils l'ont pris, ils l'ont emporté. Et on a continué la bataille. Vous savez, dans le bataillon, il y avait des gens qui étaient désignés. C'était les brancardiers. Ils devaient aller chercher les blessés et les morts pour l'enterrer. Ce n'était pas le cas d'enterrer les morts, c'était surtout d'aller chercher les blessés. Après, on a fait la relève de ceux qui étaient encore aptes et on les a dirigés sur Verdun. Et on avait, à ce moment-là, les Allemands qui étaient dans le dos vers la tranchée et ils tiraient sur le fort. Alors, quand on a commencé à tirer dessus, les Allemands se sont séparés en deux. Mais les nôtres sont sortis du fort. Et à ce moment-là, ils couraient derrière les Allemands. Nos officiers qu'on avait, ils ont dit « Arrêtez, arrêtez le tir, on tire sur nos soldats. » À ce moment-là,
quand on a fait l'attaque, il y avait les Allemands qui ont fait comme nous, étaient sortis également de la tranchée. Je suis tombé le premier sur un Allemand. Je l'ai attrapé et je l'ai reconnu parce qu'il avait le béret. Je l'ai pris, je l'ai relevé. Il avait un bras qui ne servait plus rien, le bras droit. Il m'a regardé et puis il m'a fait comme ça. Et puis comme ça. J'ai compris qu'il avait deux enfants petits. Et là, dès que je l'ai relevé, il a commencé à crier, arrêtez le tir, il m'amène. Parce que j'étais parti pour l'emmener, pas pour le garder prisonnier. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi le garder prisonnier s'il y a des enfants? Il sera mieux dans sa famille. Et je l'ai emmené vers la ligne allemande. Mais ils ont arrêté le tir. À ce moment-là, je l'ai emmené sur la ligne allemande et puis je suis revenu en arrière. On se tire dessus, on ne vous connaît pas, vous ne connaissez pas, on se tire, ça se voit pourquoi.